Are you happy today? Êtes-vous content aujourd'hui? Yes. Anybody there who is happy? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est heureux? Can I hear some noise? Est-ce que je peux vous entendre? Can I hear some noise? Make a joyful noise for the Lord. Of the year is from Hebrew chapter 10 verse 38. Le thème de l'année est tiré de Hébreux chapter 10. Le chapitre 10 verse 38. But my righteous one will live by faith. Et mon juste vivra par la foi. And I take no pleasure in the one who shrinks back. Mais s'il se retire, moi, je n'ai pas plaisir en lui. The just shall live by faith. Le juste vivra par la foi. I want everyone to repeat that. Even if you're watching online, whenever you are, if you're driving, the just shall live by faith. Alléluia. The just shall live by faith. Le juste vivra par la foi. So this is the year. C'est ici l'année. Where all of us are going to learn to live by faith. Don't say that I know how to live by faith. Because that will be arrogance, that will be pride. Parce que cela serait de l'orgueil. Because spiritual things are learned every day. Alléluia. We are called to know Jesus and to grow in Jesus every single day. So let's begin by giving a definition of faith. Alors par définir la foi. What is faith? Qu'est-ce que c'est que la foi? Because the theme of the year says that we shall live by faith. There is no way you can live by faith if you don't have the right definition of faith. Mais tu ne peux pas vivre par la foi si tu n'en comprends pas le sens. And hear me well. I say the right definition of faith, because there are wrong definitions as well. La correcte définition de la foi, parce qu'il y en a qui sont incorrectes. Alléluia. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. Hebrew chapter 11 verse 1. Hébreux le chapitre 11 verset 1. Je lis au nom de Jésus. Now faith is confidence of what we hope for and assurance about what we do not see. Amen. Amen. Alléluia. Amen. If you listen, will you please read it in French as well? En français, il est écrit: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Please pay attention. Je vous prie de faire attention. So that you have a good understanding of this. Pour que vous compreniez bien ceci. Faith is the confidence of what we hope for. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. A sure assurance of things we hope for. Une assurance ferme des choses qu'on espère. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Confidence. La confidence means veut dire a strong trust. Une forte confiance. Firm trust. Une confiance ferme. And the scripture says. Et les écritures disent that you have a firm trust on something that you are hoping for. Lorsque vous avez une ferme confiance en une chose pour laquelle vous espérez. And something that you're hoping for is something that you have not received yet. Est une chose que vous n'avez pas encore reçue. Something that you have even seen yet. Une chose que vous n'avez pas encore vue. That you believe in very strongly. Mais vous croyez fermement. But what you're hoping for ce à quoi vous espérez has already happened. Amen. Est déjà arrivé. So when you're living by faith, alors lorsque vous vivez par la foi, you're living in anticipation. Vous vivez dans l'anticipation. Alléluia. Amen. A person who doesn't know God will judge her and say that girl is crazy. Une personne qui ne connaît pas Dieu
Alléluia. Amen. But faith is about being 150% sure. Mais la foi s'agit d'être sûr à 150% that what I am hoping for que ce que j'espère is going to happen va arriver and has already happened. Even when I haven't seen that, même lorsque je n'ai pas encore vu, even you haven't touched anything même yet, si je n'ai encore rien touché, there is no evidence yet, il n'y a pas encore d'évidence, but you firmly believe mais tu crois fermement that what you are hoping for que ce en quoi tu espères has already happened. Est déjà arrivé. So you only you has the you can demonstrate that in your spirit. Tu peux démontrer cela dans ton esprit. That the thing that you are hoping for que cette chose has already happened. En laquelle tu espères est déjà arrivée. And this is something that happened in someone's imagination. C'est quelque chose qui se passe dans l'imagination de l'homme. In your imagination, dans ton imagination, you must be able to see tu dois être à mesure de voir that what you have asked God, que ce que tu as demandé à you have already received it. Tu as déjà reçu. So faith is something that works through imagination. Alors la foi, c'est quelque chose qui agit au travers de l'imagination. Alléluia. Amen. When you can believe that in your spirit, lorsque tu peux croire que dans ton esprit, and you believe that I haven't seen anything yet, et tu crois que bien que je n'ai pas nothing tangible that I can show somebody, il n'y a rien de tangible que je puisse montrer à quelqu'un. But in my spirit, mais dans mon esprit, in my imagination, dans mon imagination, whatever I have asked God, ce que j'ai demandé à Dieu, has already happened. Est déjà arrivé. And you begin to thank God. Et tu commences à remercier le Seigneur. Alléluia. Amen. And this is et ceci est what Hebrew chapter 11 verse 1 means. C'est que Hébreux le chapitre 11 verset 1 veut dire. So when Hebrew chapter 10 verse 38 is talking about living by faith. Lorsque Hébreux 10 au verset 38 nous parle de vivre par the foi. The author is telling us l'auteur nous dit that we have to learn and develop que nous devons apprendre et développer that firm confidence cette confidence ferme to be able to see d'être in your imagination de voir dans notre imagination that whatever you are asking or believing God for ce que tu demandes ou crois en Dieu d'obtenir has already happened est déjà arrivé. And I want to tell you something that may be that may shock somebody. J'aimerais vous dire quelque chose qui pourrait peut-être choquer quelqu'un. Everything begins in your imagination. Toute chose commence dans ton imagination. What do I have in my hands? Qu'est-ce que j'ai entre mes mains? Glasses, right? Mes lunettes. The person who created the first glasses. La personne qui avait créé les premières lunettes. He had that first in his or in her imagination. Les lunettes avaient commencé dans son imagination. Alléluia. Amen. The people who build homes, houses. Ceux qui construisent les maisons. They have to have the picture in their imagination first. Ils doivent d'abord concevoir cette image dans leur imagination. Even when you say that I'm gonna cook a great meal today. Même lorsque tu dis que je vais préparer un bon repas aujourd'hui. You have to be able to see that great meal in your imagination. Tu dois être à mesure de le voir premièrement dans ton imagination. Before you have it on the table to eat. Avant que tu puisses la mettre sur la table. Alléluia. So everything is about creating the image of whatever you want God to do for you in your imagination. Alors toute chose commence par créer ou imaginer ce que tu attends que Dieu fasse pour toi. Then once you have that image, et après avoir, you begin to believe that God has already provided. Obtenir cette image, tu commences à croire que Dieu t'a déjà donné cela. Alléluia. Amen. You can't talk about faith. Tu ne peux pas parler de foi. When you can see that in your imagination, tu ne peux pas voir ces choses and see it finished and accomplished in your imagination.
possible ou pas. If you can see that you, in your imagination, si tu peux le voir, and what you see, you begin to believe that this is happening. Et après avoir vu, tu commences à voir que ceci arrive et va arriver. Then you will see that to be fulfilled for you. Ensuite, tu verras son accomplissement. Are you with me? Amen. So that is the definition of faith. C'est là donc la définition de la foi. Now, in order for a person to live by faith, alors pour qu'une personne maintenant vive par la foi, there are a few things that the person need to understand. Il y a quelques choses, quelques règles que la personne. And I call them a prerequisite. Et je les appelle des prérequis. Alléluia. Amen. If you know these prerequisites, si vous connaissez, you will be able, vous serez à mesure, to live by faith. De vivre par la foi. And when you don't know any of this, et lorsque vous ne connaissez aucun, you may be thinking that you're living by faith, vous penserez peut-être être en train de vivre par la foi, while you lying yourself. Pendant que, en réalité, vous vous tromperez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. So this is very important, and I'm going to give you six prerequisites. Et ces six prérequis sont très importants. Alléluia. The first one is. Le premier. The person who wants to live by faith, need to trust in God through Jesus. Une personne qui veut vivre par la foi doit croire en Dieu au travers de Jésus. Alléluia. Amen. Trust in God through Jesus. Avoir confiance en Dieu au travers de Jésus. Did you hear what I said? Parce que vous avez entendu. I didn't say trust in God. Je n'ai pas dit. I said trust in God. Faire confiance à Dieu. Through Jesus. Mais j'ai dit faire confiance en Dieu. Because Jesus is our bridge to God. Parce que Jésus est le chemin par lequel nous avons. He is the exit. Il est la sortie. That brings us in the presence of God. Qui nous emmène dans la présence de Dieu. So when you say that I have faith. Alors lorsque tu dis que j'ai la foi. Your faith must be built. Ta foi doit être construite. Upon Jesus Christ, who is the way to God. Qui au-dessus de Jésus. Chemin vers Dieu. Alléluia. Prerequisite number two. Le deuxième prérequis. To live by faith. Vivre par la foi. You have to know and understand the attributes of God. Demande que tu connaisses et que tu comprennes les attributs de Dieu. You have to know the characters of God. Vous devez comprendre, connaître les caractères de Dieu. Alléluia. Amen. A person who don't know who doesn't know the attribute or the characters of God. Une personne qui ne connaît ni les attributs ni le caractère de Dieu will not have enough information to apply God in his or her daily life. D'information pour appeler ou engager Dieu dans sa vie de chaque jour. Alléluia. Amen. Let me give you an example. Je vais vous donner un exemple. I was riding, this is many years ago when I first came to the US. Il y a de cela plusieurs années lorsque je venais à peine d'arriver aux États-Unis. I was riding in with a friend, he was giving me a tour of the city where we're living. Je conduisais avec un ami qui me montrait la ville, qui me faisait visiter la ville où nous vivions. And he had his two youngest children in the car in the back. Il avait avec nous avions avec nous ces deux jeunes enfants qui étaient à l'arrière. The youngest, who was about 5 or 6 years old. Le plus jeune qui avait 5 ou 6 ans. He was trying to interrupt the conversation I was having with his father. Il continuait à chercher à interrompre la conversation que j'avais avec son père. His father was telling me things. Son père me disait des choses. Then this boy, he jumped in that conversation and said, Pastor Dido, don't trust my father. My father, he's a liar. Mais son fils dit, Pasteur Dido, n'écoutez pas mon père est un menteur. Alléluia. So his father, he's now raising the voice so that I will listen to the boy. Et son père continua à parler plus haut pour que je l'entende parce que le petit disait. Keep talking and he tapped me on the shoulder. Pastor Dido, my father, he's a liar. Et son père
me tape à mon épaule pour me dire, pasteur Tito, ne l'écoutez pas, il ment. Alléluia. So now tell me, a kid like that can trust his dad? Et dites-moi, est-ce qu'un garçon comme ça, un fils tel que celui-là peut faire confiance à son père? Alléluia. Amen. So you have to know the characters of your father. Vous devez donc comprendre le caractère de votre père qui est au ciel. Before you are able to practice faith in your daily life. Avant que vous ne soyez à mesure de mettre en pratique la foi dans votre vie de chaque jour. I'm gonna bring few characters of God. If you're taking note, this is very important. Prenez note de ceci. Love. L'amour. God is love. Dieu est amour. When you know that God is love, lorsque vous savez que Dieu est amour, it doesn't matter what kind of trouble you are facing. Peu importe le genre de trouble auquel vous faites face. But your faith will be working because you will believe, still believe that God loves me, no matter what is happening. Votre foi continuera à agir parce que vous continuerez à croire que Dieu m'aime peu importe ce dans quoi je me trouve. When you know that God is omnipotent, lorsque vous savez que Dieu est omnipotent, you are confident in His power. Tu es confident dans son pouvoir. You know that He is the Most High God. Tu sais qu'il est le Dieu, the Almighty God. Le Dieu, and He can do anything that He has promised for you. Il peut faire toute chose qu'il a promis. When you know that your God is omnipresent, lorsque tu sais que ton Dieu est omniprésent, you will know that He is with you. Tu sauras qu'il est avec toi. Even when you are located in a very scary place. Même lorsque vous vous trouvez dans un environnement qui fait très peur. When you know that God is omniscient. Que Dieu est omniscient. You know that He knows everything. Vous savez donc qu'il connaît toutes choses. Even you have no solution to your problem. Même lorsque vous n'aurez pas une solution. But you will be a strong. You will believe that He will never be he will never be late. Vous saurez qu'il n'est jamais en retard. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. God is never late because Dieu He's faithful. N'est jamais en retard parce qu'il est fidèle. Remember the story of Lazarus who died. Vous vous rappelez de l'histoire de Lazare qui était mort? And his sister, one of his sisters, started to tell Jesus, "Well, if you were here." Et l'une de ses sœurs a commencé à dire à Jésus, écoute, si tu étais là. It's like you were taking your time. We sent the message to you. You knew that he was dying and you're taking your time. C'était pour dire que tu avais pris ton temps. Tu avais déjà envoyé un message pour te dire qu'il était malade. Tu traînais les pas. Trying to make Jesus guilty that, oh man, I came late. Elle voulait rendre Jésus coupable pour qu'il se dise, oh mon Dieu, je suis arrivé en retard. God is never late. Mais Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. That's why when he came to the tomb, voilà all the Lazarus get up and come back to life. Il avait donné l'ordre à Nazareth de se lever et de revenir à la vie. When you know that Jesus is God is kind, lorsque vous savez que Dieu est gentil, you will understand every day you will know. Vous comprendrez que tous les jours that I can talk to God even when I messed up. Que vous pouvez parler à Dieu même lorsque vous avez mal agi. When you believe that God is a sovereign, lorsque vous croyez que Dieu est souverain, you will believe that what God has decided, vous croirez que ce que Dieu a décidé, nobody can take that away. Aucune personne ne peut changer. When He opens the door, lorsqu'il ouvre une porte, nobody can shut it. Personne ne peut la fermer. When He say yes to you, il a dit oui, nobody can turn it to no. Personne ne peut vous dire non. And when you know that God is merciful, et lorsque vous savez que Dieu est miséricordieux, you will always be ready to seek for His compassion. Vous serez prêt à chercher sa compassion. When you are sick, lorsque vous êtes malade, you pray to God, vous prierez à Dieu, to experience His compassion. Pour expérimenter sa compassion. Those are some attributes of God. Ce sont là quelques attributs de Dieu. There are many more. Il y en a encore beaucoup. In order for you to be able, que pour que vous soyez à mesure, to live by faith during 2024, de vivre par la foi en cette année 2024, you need to understand more about God's attributes. Vous devez comprendre
comprend des attributs. It's only when you understand how God's work. C'est seulement lorsque vous comprenez comment Dieu. When you understand who is God. C'est seulement quand vous comprenez how He operates. Comment il opère. That you will be able to live by faith. Que vous serez à mesure de vivre par la foi. So there is a the need to learn more about God. Un besoin d'apprendre un peu plus au sujet de Dieu. And I promise I will. Come, we will have a series. Et je vous promets que nous aurons une série. On better understanding God to better help, to better serve Him. Une série qui s'intitulera comment comprendre Dieu pour mieux le servir. Prerequisite 3. Le troisième prérequis. Faith is always characterized by a positive expectation. La foi se caractérise par une attente positive. Alléluia. Amen. A positive expectation. Une attente positive. Alléluia. Amen. I say to live by faith. Je dis vivre par la foi. When you're living by faith, lorsque vous vivez par la foi, you only have a positive expectation. Vous ne pouvez qu'avoir une attente positive. There is no negativity. Il n'y a pas de négativité. There is no defeat. Il n'y a pas de défaite. Faith, la foi, is about positive expectation. La foi s'agit d'une attente positive. You look at the situation that you are facing. Tu regardes la situation à laquelle tu fais face. And you have a positive expectation. Et tu as une attente positive. Because you know the character of God. Parce que tu connais le caractère. You know that He's more almighty. Tu sais qu'il est tout puissant. You know that because of His might He can fix it. Et tu sais qu'à cause de sa puissance, il peut la changer. Always positive expectation. You don't have no room for fear. Vous n'avez pas de place pour la peur. Because faith, parce que la foi, will keep you positive. Va vous garder positif. On the character of God. Dans le caractère. Faith will remind you God has compassion for you. La foi va vous rappeler que Dieu a compassion de vous. God will tell you that faith, God is kind. La foi vous dira que Dieu est bon. Alléluia. Amen. Somebody years ago will tell me that. Quelqu'un plusieurs années passées me dira. And this is a sad story, but c'est une histoire triste. Was part of the testimony. Témoignage. This man had an affair with another woman. Cet homme avait triché avec une autre femme. Alléluia. Amen. Then he started to, you know, see that since that happened. His life was coming worse and worse. A lot of bad things were happening to him. Et depuis que cela était arrivé, plusieurs mauvaises choses arrivaient. So he spoke to me some day, and he told me. Et il me dira un jour. I believe God is punishing me. Je crois que Dieu est en train de me punir à cause de ce que j'ai. Alléluia. Amen. And my reply to him was, "You don't know who God is." Je lui avais dit, tu ne connais pas Dieu. God is kind. Dieu est bon. God is love. Dieu est amour. He has no time to hold grudge on you. Il n'a pas le temps de garder rancune. He can do that. Il ne peut pas. Because he is love. Parce que c'est un Dieu. He does not have love. Il n'a pas la. He is love. Il est. Alléluia. So I had to clarify to him the things. The things that you are going through. Que les choses are the consequence of sin. Les choses que traversaient, c'était des conséquences. It's not God punish you. It's like when you have a glass of water. C'est comme lorsque vous avez un verre d'eau. When and that's the only water that you had in your house, and you something happened, you drop the glass and it break, and the water spill. Imaginez que c'était la seule quantité d'eau qui vous restait, et vous cassez ce verre et l'eau se renverse. But at the end of the day, when you're thirsty, you don't have no other glass, you don't have no more water. Et lorsque vous aurez soif, vous n'aurez pas d'autre boire. God who is forbidding you from having water? Est-ce que c'est Dieu qui vous punit ou vous empêche d'avoir de l'eau? No, it's non. A consequence. C'est la conséquence. Because you were cautious enough. Parce que tu n'avais to pas protect your glass and your water. Pour protéger ta glace. So when it fell and break. Alors lorsque c'est you don't have no water because this is something that has happened to you because you were cautious. Et c'était cassé. Ce n'était pas une punition, mais plutôt quelque chose qui vous
est arrivé parce que vous n'avez pas fait. Alléluia. Amen. Faith is about positive expectation. La foi s'agit d'une attente positive. Every time that you are facing a situation toutes les fois lorsque and vous êtes face à une situation et vous êtes and you can see that it's possible for God to do something, et vous pouvez voir que c'est possible que Dieu fasse quelque chose, you are on the wrong side of faith. Et vous pensez que c'est impossible pour Dieu de faire quelque chose. Because on the right side of faith, du mauvais côté de la foi, you will always see foi, God's character. Vous verrez toujours le caractère. You will see His power. Vous verrez sa you will see pouvoir. His love. Vous verrez son you amour. Will see His grace. Vous verrez sa you will grâce. See His mercy. Vous verrez sa you will see His kindness. Vous verrez sa and that will keep you et cela va vous striving. Dans votre effort. Alléluia. Amen. Prerequisite 4. Le quatrième prérequis. Faith is held on testimony, not on evidence. La foi se base sur le témoignage, pas sur les évidences. Alléluia. Amen. You don't need physical proof. Vous n'avez pas besoin des preuves physiques. The just shall live by faith. Le juste vivra par la foi. You don't need a proof before believing. Vous n'avez pas besoin d'une preuve. Votre preuve se trouve dans votre imagination. And your imagination, et votre imagination is allowing you to believe that this has already happened. Vous permettra de croire que ceci est déjà arrivé. There is no material proof. Il n'y a pas d'épreuve matérielle. Alléluia. Amen. You don't have to see before. Vous ne pouvez pas voir. Or something that you have to touch first. Vous n'avez pas à voir avant de croire. Ce n'est pas une chose que vous pouvez avoir touché. Is held on testimony. La foi se base sur le témoignage. That's why voilà a person who is seeking for God une personne qui cherche Dieu need to read the Bible. Doit lire la Bible and believe that whatever is the Bible is true. Et croire que ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Because everything that is in the Bible parce que tout ce qui se trouve dans la Bible are testimonies. Sont des témoignages. They are people who lived with Jesus. Il y avait des gens qui ont vécu avec with, Jésus. Who tapped his shoulder. Qui avait tapé son who bras. Spent with time on the street of Jerusalem. Qui avait passé leur temps sur la rue de Jérusalem. People who saw him performing miracles. Des gens qui l'ont et qui ont été témoins. And the recording of all of things. Dans l'accomplissement de ces miracles. Those are the testimonies. Ce sont là les témoignages. That build our faith. Qui construit notre foi. You don't need a demonstration something physical. D'une démonstration like a scientist. Comme un scientifique. Alléluia. Amen. Faith needs no evidence. La foi n'a pas besoin d'évidence. Prerequisite 5. Faith operates in the person who believes in the divinity and the Christhood of Jesus. Le cinquième prérequis, c'est que la foi agit en une personne qui croit on the divinity en la divinité and the Christhood of Jesus. Et la nature de Christ. Thank you very much. Merci. Christologie. Alléluia. Christologie. Alléluia. Amen. You have to believe that Jesus is God. Vous devez croire que Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. So, oh no, I mean, I'm not going to believe my faith. I have not a lot of faith. I'm going to believe my faith. Je vais le faire do par la foi. Do you believe that Jesus is God? J'ai beaucoup de foi. Est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? If you don't believe that you're not operating my faith, you're operating my knowledge. Si vous ne croyez pas en cela, vous n'opérez pas à partir de la foi, mais à partir de votre connaissance. Are you following? Est-ce que vous suivez? To live by faith, vivre par la foi. You have to believe that Jesus is God. Demande de croire. You have to believe that He is the Son of God. Vous devez croire qu'il est le Fils. You have to believe that He died and resurrected. Alléluia. Amen. And the very first last prerequisite is the number 6. Et le dernier prérequis, le numéro 6. To live by faith. C'est vivre par la foi. If you want to live by faith, si vous voulez vivre par la foi cette année, you have to have a relationship with vous devez God avoir une relation avec Dieu. Through Jesus. Au travers de Jésus. Alléluia. Amen. You have to have a relationship. Vous devez avoir une relation
Alléluia. Amen. Because it is through Jesus, parce que c'est à travers that you have with Jesus, de Jésus, au travers de cette relation que vous avez avec Jésus, that gives you access to the throne of God. C'est cette relation qui va vous donner accès au trône de Dieu. And when you reach the throne of God, et lorsque vous êtes à mesure d'atteindre le trône de Dieu, is when you will begin to experience the power. C'est en ce moment-là que vous allez commencer à expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. Relationship is something that everybody builds. La relation, c'est quelque chose que tout le monde peut construire. If you married, you know how you establish that relationship with your wife. Si vous êtes marié, vous savez comment vous faites pour établir la relation avec votre femme. Doesn't just happen automatically. You're sleeping in your house, then she's sleeping out there, then you marry the next day. Ça n'arrive pas automatiquement où lorsque tu dors dans ta chambre et ta femme se trouve dans une autre maison et vous vous mariez. When you have a good friend, lorsque tu as that relationship, you have to do something for it. Pour que cette relation survive, vous devez faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. This by doing something. Vous gagnez cela en faisant quelque and chose. To be in a relationship with Jesus, être dans une relation you avec have Jesus. To do something. Vous devez faire quelque chose. You have to seek God. Vous devez chercher Dieu. You have to want to encounter Jesus. Vous devez désirer à rencontrer you have Jésus. To declare Jesus, I want you in my life. Vous devez déclarer que Jésus, je te veux dans and ma vie. Once you have done this, et après que vous aurez fait cela, Jesus will meet you whenever you are. Start a new relationship. Et tu commences une nouvelle relation. It's only when that relationship is established. C'est seulement lorsque cette relation est établie that you are able to live by faith. Que vous êtes à mesure de vivre par la foi. Alléluia. Amen. So this year, alors cette année, I want you to work on these things. J'aimerais que vous puissiez travailler sur ces choses. I work on these things myself. Je travaille sur ces and choses. And encourage you to work on these et things. Je vous encourage à travailler sur ces choses. Because faith is not an empty word. Parce que la foi n'est pas un mot vide. A word that you just speak and believe and expect something to happen. Ce n'est pas un mot que tu dis sans pour autant attendre que quelque chose arrive. It is based or built upon through knowledge. Elle se base sur une connaissance vraie. Of God. Amen. De Dieu. Have you received something? Avez-vous reçu quelque chose ce matin? Have you received something this morning? Avez-vous reçu quelque chose ce matin? Thank you, Father, for this message. Merci, Seigneur, pour ce message. Let your word continue to ring in our ears. Que ta parole continue à résonner dans nos oreilles. And open our eyes. Et qu'elle ouvre nos yeux. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Hallelujah. Alléluia. We are about to close the service. Nous sommes sur le point de conclure le service ce matin. We are going to stand up. Nous allons nous lever. And I want you to repeat this declaration of faith. Et je vous invite à répéter cette déclaration de foi. After me. And you believe in these things. Tu dois croire en ces choses. Don't just repeat what I'm saying to you. Ne répétez pas en vain ce que je vous dis. But believe, engage your faith in this mais engagez votre foi dans cette déclaration. Glory to God. Gloire à Dieu. I am a believer in Jesus Christ. Je crois. I operate in faith and make decisions. And take action appropriate to one who believes God. Et prendre des actions qui sont appropriées à une personne qui croit en Dieu. And in His Word. Et en sa parole. I do not lack in faith. Je ne manque pas de foi. But trust in Him all the time. Mais je crois en lui tout le temps. I choose to walk in faith. Je choisis de vivre par la foi. I choose to walk in faith. Je choisis de vivre par la foi. Rather than according to doubt and unbelief.